Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on continue la série du bleu-rouge hein, et cette fois il va affronter un gris-vert. Pas n'importe quel gris-vert, le gris-vert qui a fait top 1 à Las Vegas. Liste que j'ai pu essayer pas mal pour mes vidéos et finalement c'est une très 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 bonne liste. C'est très agréable à jouer, c'est de la défausse pure. Hein. Plus de bucky, mais il ne manque pas. Alors, le bleu-rouge contre le vert-gris. Honnêtement, j'ai pas de grande idée du match-up. J'ai l'impression que le vert-gris est quand même au-dessus. Hein. Là où la force du bleu-rouge, c'est si le bleu-rouge all-in en rampant, et qu'après il se fait défausser toute sa main. Forcément, puisqu'avec arrête de poisson et tipo, on doit déjà vider sa main, donc il reste pas grand-chose. Mais on a à chaque fois d'excellents top decks avec cette liste. Entre les 6 ou 8, les maléfiques 9, les Tamatoa, Mufasa, on a vraiment d'excellents top decks, quoi. Alors, on commence là, bon, on mulligan. Le terrain, on s'en fout un peu, hein. C'est quelque chose, ce lieu, je l'aime pas trop personnellement, donc je le garde surtout pour mettre en encre. C'est très efficace contre le gris, mais il n'y a plus vraiment de gris dans la méta, hein. Alors, le bleu-rouge, pas de T1, mais il y a le tipo, donc c'est très bien. Quand on a tipo, on est content. Voilà, on le met en encre, on a le T1, on a le Diablo, on révèle la main. On va la poser là, hein, c'est ce que je conseille de faire aux entraînements. Et puis mettre sur la gauche les cartes qu'on pioche, puisque les cartes on ne sait pas ce qu'on pioche. Alors on va reposer la deuxième maléfique, on va tipo, et qu'est-ce qu'on encre avec tipo? On a la reine de poisson, on a la bagarre, on a le Flavor Charm, on a une deuxième bagarre. Peut-être une bagarre, parce que deux c'est peut-être inutile. On pourrait. Mettre le grand dragon de pierre, c'est ça? Oui. On a de quoi poser le Diablo. On a une deuxième fois le lieu. Je lis la muse, hein, parce que le deck, c'était la première fois que je le jouais, là. On a double Diablo, on a l'Ursula, on a le Pat. Carte principale du deck, c'est vraiment l'Ursula. On n'a pas de T2. Du coup, on va juste Lord de 1 et faire fin de tour, ce qui est très triste. J'aurais bien aimé l'air celui-là à 2. On a repioché un tipo, donc soit on pose le tipo et fin de tour, soit on ancre le tipo, soit on fait arrête de poisson, on ancre quelque chose, on re-ancre quelque chose et on pose tipo et on re-ancre. Et on est en top deck, mais on a ancré à mort. Et c'est le plan de jeu que je vais faire. C'est très risqué, c'est un all-in. Mais de toute façon, avec une carte en main, Flavor Charm, si je l'avais gardé avec une carte en main, ça n'aurait servi strictement à rien. Une carte en main, il me l'aurait défaussé très facilement. Bon, c'est une mauvaise sortie hein, pour le vert-gris là. Alors, on va poser le Diablo. Hein. Ah, pardon, la Ursula. Le Diablo aurait été très fort et très bon, là, puisqu'il n'y a pas de counter en face, vu qu'il est en top deck. Mais. C'est quand même meilleur la Ursula pour défausser derrière. Donc je pense peut-être que Diablo aurait été meilleur à ce moment-là. Ça dépendait du top deck du bleu-rouge, quoi. Alors là, meilleur top deck ever, hein. La vision de l'avenir qui donne le Flavor Charm. Le problème, c'est qu'on pioche, on ancre, mais derrière, la seule carte qu'on a, et on risque de se la faire défausser. Hein. Je pars pas au lore avec les typos. Je préfère les garder. J'ai trois bêtes en main. La bête, très fort contre à peu près tout. Alors, vu qu'il est en top deck, on s'en fout un peu du pat. Cette fois, on va poser le Diablo pour piocher. On n'a pas de chanson. Un peu triste. L'Atala, toujours bien pour piocher. Hein. Piocher contre un deck des fausses, c'est toujours bien. Hein. On a un objet ou un. Ah voilà, je fais le choix de prendre ça plutôt que l'objet. Bon, je pense que l'objet au final aurait été meilleur. Je pense que c'est une erreur, mais je choisis de prendre parce que j'ai pas beaucoup d'encre. Et du coup, si je top deck des T8 ou des T9 et que j'ai pas assez d'encre, ça va me saouler. Alors que piocher des objets, j'ai beaucoup de chances de repiocher derrière. Top deck une Ana, bon, pas ouf la Ana. On va mettre une bête en encre. On va jouer une bête pour la pioche.
On aurait peut-être du Diablo déjà largement avant. Ouais. C'est vrai que la Ursula était pas bienvenue en fait. Ça aurait été largement mieux le Diablo. Alors là, il pioche. Surtout qu'il y avait le Flavor Charm. Oui, non, je pense que c'était un misplay. Ça aurait été bien mieux le Diablo qu'Ursula. Bon, c'est la première game que je fais avec le deck. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'en me voyant jouer, je vois les erreurs aussi. Alors, mauvais top deck pour le bleu-rouge. Hein. On va jouer une chanson, on fait 4 sur la grand-mère Tala. On pioche 2. On a pioché 2 avec la bête. Le pat. Un peu inutile, ouais, bon. J'aurais pu le jouer le pat pour éviter le top deck du biprep. Mais bon, je pioche tellement et j'ai tellement en main que même s'il me clean, je redémarre. Le Tamatoa, le top deck du Tamatoa. On a juste une arête de poisson. On va garder, mais c'est quasiment foutu, hein, de toute façon. J'avais oublié de piocher avec le Diablo, donc on fait. C'est à nous de jouer, on pioche avec la bête. Bon, je pense qu'on aurait déjà pu être beaucoup plus loin avec le vert-gris. Déjà, avec le Diablo un tour plus tôt, ça aurait été une pioche de plus. Et ça aurait bloqué le Flavor Charm. Même si dans cette situation, Flavor Charm était obligatoire. Mais... Alors, le début de la game, quand j'ai tout ramp avec le bleu-rouge, en espérant du top deck, je pense que le moment où je prends pas le bloc de glace et je prends le jeu vol pour espérer d'autres top decks plus gros, j'aurais dû, je pense, garder le bloc de glace pour piocher 2. J'aurais ramp moins, mais j'aurais pioché plus. On fait double chanson à nouveau. On tue le Tamatoa. Enfin, on espère tuer le Tamatoa. On fait 7 au Tamatoa. On compte pas le petit point en plus parce qu'elle a perdu dans l'hiver qui arrive. Et là, bah c'est gagné. Hein. On n'a plus qu'à l'or, 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 pioche, 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 l'or, pioche. Et même si 6 sous qui biprep, il peut pas biprep, il y a eu le pat, mais même si 6 sous, ouais, c'est fini. Hein.